Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Quand c'est ça, nous commençons. C'est depuis le PMA qui a été financé. Yon ultimatum côté qui est institution qui est matériel. Qui est capable de faire dans l'arrière comme si c'est ce qu'on fait propre. Il a lancé un ultimatum pour courir des FADRA en saison fête. Sur l'initiative côté que SNGRS et puis la voie publique, CNE, il y a un équipement, il mettait dans l'arrière disponible pour faire service. Alors, on a félicité PM Nabo pour l'initiative ça. Côté que l'arrière était vraiment sale. On dit n'a pas entré nos saisons, nous déjà connaissons que c'est Noël lié, même les. Quel que soit janvier, nous déjà connaissons, nous ne pouvons pas passer le mois de décembre pour nous battre cette nouvelle là-dedans. On va également là, nous avons couru des FADRA ensemble avec ça, nous mettons la RIA, nous avons fait porter dans la RIA. Quand nous passons zone Pétionville, zone Marché Télélé, nous descendons sous Delma, nous passons zone Cafou, Aéroport, nous montons voir Safari. Également là, nous montons là, nous avons fait continuité pour aller côté de FADRA, nous avons ramassé FADRA dans la RIA. Ça va aller. Si côté nous arrivons, moi-même, je suis fini de faire service là. Et puis tout, capable de faire le parcours, moi-même, pour journée là, je suis rentré, je suis rentré là-dedans. Ça veut dire que je ne suis pas capable de définir le parcours pour journée là. On dit, quel que soit janvier, la population haïtienne, nous déjà connaissons. Tête ensemble, c'est nous-mêmes, on dit, fatal dans la rue, de grande façon, nous sommes capables de faire tout. Nous sommes capables, comme si dans la rue, nous mettons fatal dans la rue, c'est ce que le camion est capable de faire. Mais nous n'avons pas besoin, comme si nous avons lagué fatal dans la rue. Pour la gueule, non, c'est ce côté qu'elle gagne. Les gens viennent ramasser, on dit matériel, on dit difficulté, on fait propre travail pour y aller, on ne va pas ramasser. Après ça, quelle que soit la façon liée, la population haïtienne, maximum, nous solidaires entre nous dans tout sens, quelle que soit lieu ou la façon, nous se fait accès, nous entrons dans saison Noël, je demande pour y aller, pour nous capables de mettre nous ensemble, pour nous être qui genre, besoin de la caille, nous capables de faire ce qu'il y a. Oui, ça nous l'a donné là. C'est pas ce que vous avez dit, le président a dit. Tirez là, c'est pour le peuple là. Comme Kounia, nous on est prend tirez là, nous mettez sous gaz là. Comme tirez ça va jouer le peuple là, nous prend tirez là nous-mêmes, nous mettez dans le gaz là, pour continuer à acheter caille, c'est nous-mêmes. Pour continuer à voyager. Je dis à nous-mêmes, nous prenons la rue, nous bloquons Delma 60. Nous disons, tout est en train de retourner sous décision, remettez le gaz là. Si vous mettez le pivot, toujours le pivot pour la population. Mais si vous n'êtes pas capable, il y a peut-être un niveau de l'IA, j'ai le DEA. Nous là, je dis là, l'argent ne va pas déplacer. Rien ne va pas étirer. Parce que ce n'est pas l'argent qui mette nous dehors là. Ce n'est pas l'argent qui mette nous là. Mais je dis là, c'est le peuple qui a révolté. C'est le peuple qui dit non. Gaz là, toi monté, il faut qu'il réduise dans le niveau de l'IA. Nous bloquons la rue là, nous bloquons la rue là, pour gaz dans la rue là, monter là, à tout André Michel, nous demandons pour André Michel, à tout à quoi qu'elle descend gaz là, André Michel, nous ne pas aller couler là. Là. Gaz. Parce que tout le monde monte à net, nous demandons pour descendre. Nous demandons pour bloquer le pays, et avec quoi Matisson, nous demandons à lui, c'est Matisson pour aller. On nous fait suivi avec subvention gouvernement de parler de l'IA, pour nous-mêmes nous disons c'est faux. Nous-mêmes, nous pas joignons, nous pas arrivé sur nous, c'est ça que vous avez. Et au niveau des stations, là, on pas quelques machines qui ne peuvent pas voyager parce que discussion chauffeur avec passagers, virer tourner, il y a brûlé nous. C'est ça que fait nous-mêmes, je dis à Nandi dans SOS Transport, nous inviter la presse pour nous faire un message la passer. Parce que nous avons des machines qui sont bloquées au niveau des mi-balais, nous avons des machines qui sont bloquées Bopelig, nous rachetons Vavio. Il y a plat caoutchouc et nous avons des machines, zone Saint-Marc, Ponsondé, Villa. Tout ça, c'est pouvoir qui met des discussions entre passagers avec chauffeurs. Si l'État a des responsabilités, l'État dit là-bas en subvention pour être capable de subventionner gaz là. Nous-mêmes, les montées gaz là depuis vendredi, jusqu'à présent, nous-mêmes dans SOS Transport, nous pouvons joindre. Et nous ne savons pas qui est tout dans le syndicat qui a le chita avec pouvoir, qui prend fiche gaz. Nous apprenons qu'il y a un syndicaliste qui a 4 000
fiche gaz dans même nous pas connons nous besoin connait parce que chauffeur avec passager ou passager a dit yo bay syndicat fiche gaz nous même en dedans SOS nous pour gagner c'est ça que n'a dit tout passager qui a monté machine au niveau des stations n'a dirigé en dedans SOS transport sous la machine yo voyager c'est parce que passager avec chauffeur yo entend yo mais si c'est pour l'état l'état ça nous pour rejoindre si l'état chita avec syndicaliste pour discuter on a pour discuter il fixer prix pompier prix gaz là et puis tandis que prix course machine yo il pour fixer qu'on y a là il mettait passager avec chauffeur dans l'arrière pour bataille. Bon, si vous avez ciblé à son sort de fiche gaz, vous avez le bail dans les syndicats pour chauffeurs qui syndiquent, vous avez acheté dans le syndicat, laissez ça, chauffeur paye dans l'ancien prix 69 goudlan, laissez ça, pour cela prêter dans le même prix le DIA. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons pas jouer une subvention ciblée, qu'on a nous dit l'État prend responsabilité pour l'éviter et un passager avec chauffeur pour éviter discussion. Bon, on connaît, ce n'est pas seulement nous-mêmes qui comme syndicalistes, nous n'avons pas qu'une centrale syndicat, nous avons souhaité que toute machine qui peut syndiquer, pour syndiquer, pour être capable de bénéficier de subvention ciblée, non, c'est le syndicat qui n'a pas fixé prix course, le syndicat qui n'a pas social. Chauffeur entendu avec passager, passager entendu à chauffeur, yo monte machine, yo voyage à côté yo aller, mais si pour syndicat pas gen machine qui t'a voyagé, ou après jusqu'à présent nous sou passer dans station là, nous gen rotation qui pas voyager, gen remito pas voyager, gen qu'est-ce qui a pas voyager, gon paquet l'autre compagnie encore plus nous même sur transport, nous pas voyager. Sou gen machine qui t'a voyager là, c'est machine qui sorti dehors, qui vient voler voyage là parce que nous même nous pas vle chauffeur nous al dans discussion avec passager, pour passager nous al dans bataille avec chauffeur pour pita ba pour parler dans bataille pour pita ba pitris nous imposer pour pas voyager nous c'est pour raison ça même qui fait camper imaginez chauffeur à côté passager 50 gouttes bon repos passager pas de pas en mesi pour payer 50 gouttes là et chauffeur à tout l'aile porter moun nan pas ka faire pour Gaza matin yo prend initiative que yo camper yo pas voyager. Et ceci que si le gouvernement n'a pas de responsabilité, dans ce maintenant, n'a pas fermé le pays à net dans le même. Non, ce n'est pas celle pour aujourd'hui. Depuis que nous n'avons pas joué une subvention pour nous donner une fiche gaz, en dedans syndicat, pour nous intégrer les chauffeurs qui syndiquent, pour nous bailler une fiche gaz, pour y aller travail, nous sommes obligés de bloquer les machines pour ne pas travailler. Les gaz la montée. Longtemps, affaires sociales de conchita avec tout syndicaliste, nous chita ensemble, nous fixer tout prix qui gagne, tout course qui gagne en dedans pays. Je vous dis, ce n'est pas ça qu'on fait, c'est affaire pas qu'on fait. C'est ça qui fait sous garder dans l'arrière ou en discussion chauffeur avec passager. Vous montez prix gaz là, vous pas fixé prix course là. Qui sont vrais passagers à le faire ensemble avec chauffeur? Vous voulez la bataille pour tout le l'autre? Parce que si c'est ton état qui est responsable, il connaît là où tu es en monde. C'est lui-même qui t'a pris responsabilité de monde, tu es là. Il t'a pris responsabilité avant même, il t'a monté gaz là. C'est Chital d'Ab Chital ensemble avec le syndicat pour fixer le prix de cela et ça. Je vais appeler le travail avec passage à prendre la rue pour la discussion. C'est propre l'état même qui mettait discussion dans la rue. Taille Club Pétionville Sud, d'abord, nous coupons nous bien bas devant la mort d'un médecin qui était à travail comme bénévole ici, qui a kidnappé et qui vivait mourir. Nous saluons des lui et ça fait nous mal en pile. Et c'est dans le même sens ça, travail qu'on a fait comme bénévole, nous venons la journée aujourd'hui. Accompagné des médecins qui ont pile qualification diversifiée, des pédiatres qui spécialisent en médecine interne, en pharmacologie, des étudiants finissants de l'Université d'État d'Haïti, de l'Hôpital La Paix, de l'Université Notre-Dame d'Haïti, qui
qui sont les générations présentes, mais l'avenir de la médecine haïtienne. Et qui est à côté de là. Qui vient accompagner nous pour nous bailler un service de qualité bénévolement à une population de Thomas 25 qui méritait des soins. Nous te profiter, distribuer des matériels. Et médecin ça, yo, nous est là. Yo rivé, ouais, plus d'une centaine de patients. Yo baillo des matériels. Yo fait dépistage VIH, SIDA. Yo fait dépistage diabète. Nous, t'arrivé distribuer tout, masque, hand sanitizer, parce que nous sommes encore en pleine pandémie COVID-19. Et nous profiter, faire une campagne de sensibilisation par rapport à mesures barrières yo, pour nous être véatifs parce que tu as Delta comme variant, je ne veux dire Omicron qui t'a voulu mettre le monde à genoux. C'est dans ce sens ça. Nous baillons tout en tribu d'éloge à jeune génération de médecins, garçons tant que femmes, qui vivent là, qui viennent bailler service ça. Nous t'es accompagné de notre jeune support Fomarel, MSPP, ambassade Taïwan, Food for the Poor avec YMCA. C'est dans ce sens ça que Rotary Club Pétionville Sud, qui a travaillé pour servir la population de manière bénévole, nous l'avons aujourd'hui et nous profiter d'un coup de chapeau à la population, à monde qui accompagne nous et surtout à ces médecins qui nous accompagnent. Ok, femme dit que le premier bagage, c'était participation et volontaire, bénévole, vraiment de tout cœur, d'étudiants, de médecins finissants. Une femme qui a lancé l'invitation à appel, il y a déjà plus d'une vingtaine qui t'a déjà dit mieux voulait venir. Et il y a des médecins après, au cours de route, qui viennent joindre nous faire peut-être en 30 médecins, 20 étudiants. Pharmacien, et vin jeune non pharmacien de l'Université d'État d'Haïti. Et là, nous t'attendons plus grand foule, effectivement, mais quand même, nous avons ouais, plus d'une centaine de patients, nous faisons dépistage, genre, métavers se dit là, pour diabète, que nous avons fait suivi, c'est pas un dépistage, et puis nous avons la CAILI, bon suivi continue, nous avons besoin de médicaments là, nous faisons dépistage tout, j'en dis là, pour VIH-SIDA, avec pré-counseling, post-counseling, nous toujours connaissons le corona, nous distribuons masques, hand sanitizer, ça veut dire nous mettons toute équipe là et nous faisons bagarre pour nous mettre jeune génération en contact avec la population. Puis ouais, qui ça nous-mêmes, nous c'est des exemples et qui j'en puis continuer pour faire de tout cœur. Ça veut dire là, mon cas du mettre 20, 30, 40, mais au fur et à mesure, il y en a les autres, ils finissent à intéresser et malgré les difficultés qui gagnent pour le gaz, etc., c'était de tout cœur, trois moyens par eux viennent rejoindre. C'est un routinier, ça fait nos deuxième édition, parce que c'est deuxième année nous. Même penser, on a toujours fait activité à chaque année et des fois nous faisons deux fois par année parce que nous gagnons un mois qui est dédié à soin maman avec Timon. À ce moment, nous finissons faire activité là, côté nous fait vraiment dépistage cancer du col pour famille, nous faisons vaccination pour Timon. Ça veut dire qu'on a essayé qu'un baissant là vraiment en activité. Et malheureusement, Jean nous connaît et Dr Mackenzie. Que nous couvrons bien devant des polices. C'est là l'idée de faire bénévole en plus dans ce centre-là. Alors nous comprenons que ça a affecté en pile fréquentation et ce centre-là. Mais quand même, nous voulons manquer journée. Par respect pour lui-même qui était contre faire bénévolat, parce que c'est bénévolat, nous venons faire tout. Par respect pour lui-même pour toujours qu'il y ait même motivation qui était qu'on a fait faire bénévolat dans ce centre-là. Eh bien, c'est même respect ça que nous avons honoré, que nous avons qu'il y ait pour nous toujours faire activité. Eh bien, ça passe. Là, c'est un centre de communautaire. Nous avons un malade de nous des cas là, que le chiffre national est élevé, nous fait prise en charge rapide là. Et nous déjà prenons toute disposition pour nous référer malade ça dans l'hôpital qui nous dit aux environs. Côté des médecins qui là tout, qui dans l'hôpital La Paix, qui pourraient faire suivi malade ça. Ça veut dire qu'on continuité de malade là. Ce n'est pas un Nicouel et Pierre Lacali, prise en charge intégrale, totale. De malades, non. C'est ça qui est priorité, nous, et ceci bénévolement. Ça, c'est concours Bastion, nous c'est Rotary Club Pétionville Sud, c'est Bastion, nous, mais nous, c'est des volontaires, des missionnaires, quel que soit côté que la population a besoin d'aide, là, a besoin de support, là. Nous, là pour ça, nous, là pour nous servir d'abord et servir au-delà de toute capacité que nous sommes capables. Et ça, nous devons que gain plus diversité,
qui a fait nous venir avec physiothérapie, hein, côté que nous pas seulement bah, soins médical, mais nous ajouter soins physiothérapie, nous avons fait évaluation colonne vertébrale, nous avons fait formation pour patients, pour nous parler de l'importance qui gagne pour yo et chemicaux, bien dans toute activité qu'il a fait, ça nous est l'hygiène posturale. Hein. Nous avons fait quelques interventions, mobilisation colonne vertébrale, mobilisation pour douleur dans le cou, avec des gens qui ont douleur dans le genou, même moi patient est vraiment satisfait. Et nous, normalement, planifier avec eux pour nous faire toujours continuer avec suivi parce que en seule séance, le plus souvent, pas suffit. Alors, pour nous faire toujours continuer avec l'activité. Dans la période Noël, Noël, c'est fête l'amour, c'est fête famille, c'est fête la paix. C'est le moment que moi-même, je t'ai souhaité tout haïtien pour nous faire célébrer fête ça dans la paix. Moi, profiter occasion pour demander jeunes armés pour qu'à déposer les armes. Ça, c'est comme qu'à parler. Parce que avenir nous, si monsieur, si mesdames, ce n'est pas nos âmes que liées. Avenir nous, n'est-ce pas vrai, faut nous mettre tête nous ensemble. Même gens avec héros qui étaient pas nos indépendances là, pour nous retirer le pays dans sa lumière. Ce message, ça, un message de cœur que moi-même, je t'ai un bail. Jeunes qui désespérés, et qui voit que l'avenir sont les âmes que vous aimez. Que nous déposons les âmes et puis que nous chita pour nous voir qui gens que nous capables ensemble pour nous retirer Haïti dans tout ça. Pour que l'heure que nous ouvrions une page, un journal, ou bien nous regardons les réseaux sociaux pour nous parler de cette qualité d'image que nous avons de pays noirs qui ont un bel pays. Dans pile monde qui t'a aimé, dans pile nation qui t'a aimé, dans pays ça nous gagne. L'autre message que nous avons envoyé, c'est que nous-mêmes, les professionnels, les entrepreneurs, on essaie de faire cœur pour le pays. On ne parle pas de pays au côté que nous avons fait cob seulement. On voit que le pays, ok, si que nous améliorons la situation jeunesse, la situation population, la situation pas nous, à pas améliorer tout. Nous-mêmes, n'a pas fait plus comme. Si que nous pas penser à problème qui vient aux alentours nous, problème ça aussi dans la cour nous y a venu. Et la caille nous y a venu. Donc, nous souhaitons tout un chacun un joyeux Noël et une meilleure année 2022. N'a profité et moment ça pour nous rappeler à toute population haïtienne nan, que Covid là, il est encore là. La caïne. Et nous, chaque jour, il y a de nouveaux variants qui apparaissent plus préoccupants que l'autre. Et je dis, nous avons toujours enregistré des cas. Mais nous remarquons dans la population, nous avons presque oublié que le Covid est présent. Nous n'avons pas utilisé masque, nous n'avons pas utilisé mesures barrières que le ministère de la Santé publique a fait et promotion pour ça. Nous profitons de moment ça pour nous demander la presse parler. Écrite et télévisée pour continuer à aider nous pour nous faire sensibilisation à Mounio pour nous capables d'utiliser mesures de barrière pour que nous protéger tête nous pour nous empêcher non seulement nous pas gagner maladie mais pour si nous gagner pour ne pas bailler Mounio. Tout ces messages ça moi-même je devrais faire passer spécialement. Pas oublier vaccination les gratis. Ministère de Santé publique mettez sitio tout partout. Donc nous allons prendre un vaccin, hein, pas négliger prendre. C'est pour Pipiti, il faut gagner 18 l'année, rivé monté. Donc c'est 105 cobs dans le département de l'Ouest, tout côté d'aller dans toute institution, nous prenons un vaccin, ajouter à mesure barrière. Dans la logique, c'est mettre comme si quoi, dans la logique, j'ai fait créer d'avance pour nous protéger tête, nous prenons un vaccin. Nous profiter dans nos clubs. Dans nos clubs blancs, souhaiter tout le monde un joyeux Noël, un plus bon année 2022. Malade, moi fait cœur. Je définis faire deux opérations. Pour gagner douleur, après opération, je suis malade dans le cœur. Je fais examen. Je finis faire examen dans l'hôpital et Jacques Guy Lafontaine sur la ville là. Bon, après je finis faire examen, je bon, m'achète des médicaments. Je bois des médicaments. Après je finis des médicaments, je ne me sens pas mal. Je ne me sens pas mal quand il y a mes puisque le docteur dit que de temps en temps pour me. De temps en temps, pour me venir par docteur, pour me venir comme si pour ba amélioration. Bon, il veut dire, puisque je suis venu à l'annonce, je dis, docteur, je suis venu là, je suis venu dans le docteur,
On y a là, me fait l'autre bail, bon médicament, va s'arrêter pour même douleur me gagne. Depuis l'année 2010, États-Unis à travers l'Union internationale département d'État pour stupéfiants à pour application de la loi, le INL, la CANU, c'est par une aide de 312 millions de dollars pour aider à renforcer la police nationale d'Haïti, PNH. INL a financé service 9 experts dans la matière pour conseiller pour commandant PNH là à des policiers conseillers attachés à Bini. INL supporte tout limiter la police là qui a lutté contre le trafic stupéfiant, unité qui a contrôlé fou, unité qui dans la question des armes spéciales à tactique de les SWAT, la police communautaire, unité la police prisonnière et unité la police frontière. Lutter contre l'influence gango, c'est une grosse priorité pour INL dans aider les pays d'Haïti. INL va PNH là 60 nouveaux véhicules avec équipement de protection pour aider le combat à l'augmentation de la criminalité. J'ai envie de dire, nous avons toujours bien plus support à la police haïtienne depuis longtemps, depuis les années 90. Et on a continué à faire ça. Nous parlons avec le leader de la police là presque chaque jour. Ça nous a fait encore, c'est nous travaillons avec Kyo pour apprendre qui ça nous pense aux besoins, qui ça nous a apporté pour aider eux. Nous parlons avec l'autre partenaire tout, le Canada, la France, etc. Pour qui ça paye ça, qui est pays ami d'Haïti, qui ça a apporté pour la police haïtienne tout. J'ai l'impression que il y a un pile d'amis pays d'Haïti qui trouvent la situation insécurité qui existe dans le pays. Ils ont voulu aider, j'en ai capable, à la police haïtienne. Mais nous travaillons dans une façon coordonnée avec la police haïtienne. C'est-à-dire que ça demande une certaine coordination par nos amis d'Haïti et à la police nationale d'Haïti. Nous avons un spécialiste qui vient de temps en temps pour faire une training, pour faire une posée. Nous sommes en train de réfléchir sur l'autre moyen nous capable d'être utile, mais il faut que nous coordonnions ça avec la police, nous faut faire mieux de nous. Nous sommes ouverts à faire qui que ce soit pour aider la police. Il y a certaines limitations nous gagnons par la loi américaine. Certains bagages nous ne sommes pas capables, mais peut-être il y a une possibilité pour l'autre ami Haïti, pour nous savoir qu'il y a une côté assistance là, à la police haïtienne. À tout le monde qui est kidnappé, nous tâchons que nous soyons libérés aussi tôt que possible. On est, ça fait déjà un petit temps que nous sommes déjà kidnappés. Et une bagarre qui est plus importante, c'est que nous nous rétés sains et sauts. Et il y a un collègue qui vient de l'agence FBI, la CANU, qui maîtrise, qui sont en charge de négocier pour ça. Moi-même, pas expert dans le domaine, c'est mon travail qui est expert. C'est lui-même qui fait le travail là, pas une imposition, pas capable de juger si qui ça a fait, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas moi, c'est pas expert. Seul bagage, nous conscients que nous avons une assistance importante du gouvernement et la police nationale d'Haïti qui aide, et nous comptons sur coopération. Nous avons envisagé une mission militaire ici. J'en connais que les États-Unis ont toujours un support à la police nationale parce que c'est une organisation civile, pas militaire. Et la logique des États-Unis me fait penser que
bail support à la police nationale a toujours plus bon pour assurer la protection de la population haïtienne. Et on a continué à faire ça. Déjà le préfet. Dialogue politique. On nous connaît. Dernièrement, le premier ministre a formé un nouveau cabinet. Les États-Unis, toujours avec tant d'acteurs politiques haïtiens, société civile, secteur privé, chefs religieux et diaspora, jouent une solution qui dirigée par haïtiens pour le chemin pour l'organisation électorale, les conditions de soutien à Internet. Qui donc a continué à engager à acteurs dans toute classe politique, là, à la société civile, là, pour voir qui nous a aidé à supporter le dialogue et la négociation pour mener le développement et l'implémentation de solutions dirigées par haïtiens ou peuple haïtien. La situation actuelle dans le pays est vraiment difficile. J'ai dit tout d'abord, nous avons un gros problème. Dans la question de sécurité, haïtiens n'ont pas capable de circuler librement. Ça pose un gros problème pour business en Haïti, pour chaque citoyen haïtien. Sur le plan politique, nous vivons dans un moment difficile. Tout le monde connaît, malheureusement, Haïti a un président qui était assassiné au mois de juillet. Le gouvernement n'a pas fait élection pour renouveler le Sénat et Chambre des députés, c'est-à-dire nous n'avons pas gagné un parlement qui a fonctionné, nous n'avons pas gagné un système de justice qui a fonctionné correctement non plus. Il y a un pile, pas vite, c'est le cas de ça. Pour nous, nous t'arrêtons que tout haïtien nous mette tête ensemble. Pour jouer, pour élaborer une façon pour avancer le pays. Il y a certains groupes qui ont déjà élaboré le plan. Il y a un groupe, Montana, commission, qui a déjà élaboré le plan pour à peu près 2 ans pour avancer le pays. Il y a l'autre côté, groupe de 11 septembre, ça a déjà élaboré le plan tout. Même il y a d'autres acteurs qui étaient développé un plan par et tout. Pour nous-mêmes, nous pas là-dedans, nous pas même mêlés dans les affaires haïtiennes. Nous nous étions accusés nous auparavant de ingérence, nous parler fait interférence encore. Nous pas fait ça avant, nous pas les souligner, mais nous pas être accusés d'ingérence. Et nous, ça nous fait, c'est d'encourager chaque acteur haïtien à approcher les autres pour avancer la gare. Ça qui besoin d'un Hispano, c'est Jean, collègue de l'ambassadeur du Canada, Jean le dit, un accord, deux accords. C'est un Hispano, c'est ça qui besoin ici en Haïti. Nous encourageons tout le monde, mais peut-être ensemble, pour que Yoka se mette d'accord dans un accord pour avancer. C'est la seule façon, dans le panneau, pour débloquer la situation politique. Honnêtement, mon peuple Haïti rate une grande opportunité économique. Tous ces problèmes politiques. Le monde change. À Covid, à tout changement comme ça, il y a plus de factories qui sortent de la Chine, qui sortent d'Asie, pour venir plus proche Amérique du Nord, pour venir plus proche marché Amérique du Nord. Haïti a profité en pile de l'opportunité ça. Mais, problème qui est, investisseurs n'ont pas venu ici dans telles conditions d'insécurité, conditions d'instabilité ou avec une clarté dans la vie politique. C'est peut-être ça, moi, je voulais encourager
tout acteur société civile, à tout acteur politique, de mettre ensemble pour avancer, d'accord, pour que le pays a vraiment avancé. Et refaire constitution, si c'est ça, haïtien le cadre fait, et pour aller aux élections, le plus possible. Pourquoi c'est une bagarre de gens. C'est clair que le pays a souffert, excusez-moi, la condition de ça. C'est peut-être ça, nous devons encourager tout acteur de notre tête ensemble, avancer et bien, s'il vous plaît. Nous parlons régulièrement avec Mounsayo, avec l'autre tout, et moi ouvert à parler à tout le monde. Moi, je crois que j'ai déjà parlé à un pile de monde pour passer ce message-là. Ça qui besoin de faire, c'est ici en Haïti, nous avons besoin de chita, négocier, travailler, c'est pour le faire ici à Port-au-Prince, ici en Haïti, pas à Washington, pas à Ottawa, à Paris, c'est ici qu'il y a besoin de faire. Nous encore un haïtien pour haïtien pour Haïti capable d'avancer. C'est le monde qui travaille au State Department, au département de l'État. C'est eux-mêmes qui gagnent responsabilité pour diriger le dossier relations haïtiano-américain. Moi, je travaille étroitement avec Mounsayo, avec mon Maison Blanche pour qui ça a fait ici. Je n'ai pas d'idée pour nous, pour nous-mêmes. J'en ai dit à plusieurs reprises, les États-Unis, nous voyons une crise politique en Haïti, c'est pour réussir à résoudre la crise. Nous pas gagné un délai dans le techno. Évidemment, j'en ai déjà dit, étant donné que nous avons souffert, l'économie pas. Pas fleurissé vraiment, moi j'ai bon, évidemment, il y a une certaine urgence pour traiter les questions politiques là, mais je pensais que c'est une bagarre à négocier pour les Haïtiens. Donc, un élément important pour ces questions de sécurité. Nous avons besoin de sentir à l'aise pour. À l'aise qu'il est capable de jouer bien à quoi aller voter. Et si pas l'insécurité, personnellement, moi, oui, difficilement, qui j'en voulais pas aller aux élections. Secteur agricole a joué un rôle important dans la vie nationale ici en Haïti. Si secteur agricole a marché bien, il y a plus de monde, il y a plus de migration vers les grandes villes en Haïti, il y a plus de programmes avec migration en dedans pays d'Haïti qui n'est pas forcément bien pour le pays. C'est-à-dire nous tablons que les gens qui travaillent dans le secteur agricole qui gagnent leur vie d'une façon normale et correcte. Et c'est plus raison ça. On a toujours travaillé dans le secteur ça. Honnêtement, moi, je crois que le programme ça a été élaboré pour moi-même personnellement. Moi, je crois que le secteur agricole là, est important pile, mais il faut Haïti attirer investissement de l'étranger aussitôt dans le secteur fabrication. Soit sous-traitant, soit manufacturer l'autre bagaille qui est capable de faire. Vous songez, ça fait 30 ans, il y a à peu près 500 000 monde qui étaient employés dans le secteur assemblage. Pas seulement la sous-traitance pour vêtements, mais l'autre industrie que c'est tout. Si nous sommes arrivés là, si nous en Haïti arrivé là encore, Ça t'a capable d'aider beaucoup. Et on t'a assuré aussi que si Haïti a la stabilité, tu as bien un monde qui t'a investi ici. Parce que il est très proche du marché nord-américain. Tu as bien un monde qui est déjà implanté ici, qui est bien, vraiment bien satisfait du travail qu'elle s'est fait.
seul problème guinéen, c'est la stabilité et la sécurité. On a gagné une certaine infrastructure ici à Port-au-Prince. Le problème, c'est qu'il y a plus d'insécurité à Port-au-Prince tout. J'en connais, nous avons investi dans Pilcob, dans le parc industriel Caracol, dans une autre en nord-est tout, Côte d'Ivoire, qui emploie un peu le monde dans la zone ça. Personnellement, je crois que le modèle ça peut être intéressant pour le reste du pays tout, surtout dans la zone le Grand Sud, côté Tégué, un tremblement de terre, pour démarrer un peu l'économie encore. Mais ça prend un petit, ça prend un petit temps pour bâtir factory bah, comme ça. Moi, je crois que c'est un vraiment bon bagage pour Haïti, que Haïti encore capable bien bénéficier visa ça. Ça peut permettre de nous aller pour tourner un petit cob ici ou apporter un cob là tourner. Mais honnêtement, ça n'a pas rien à faire avec le programme USAID. Politique américaine, immigration, y inclure visa touriste, c'est fait par le Congrès américain. Nous avons un grand débat là avec nous concernant le rôle de l'immigration. Il y a un monde qui suggère depuis longtemps qu'il faut qu'on refait les lois concernant l'immigration à la Caraïbe. Et il faut qu'on fait. Pour faire une barrière comme ça, il faut que le Congrès américain refait les lois américaines pour faire ça. Ce n'est pas l'ambassade qui fait le choix, ce n'est même pas le département d'État qui fait le choix pour faire une barrière comme ça. C'est chaque catégorie visa, c'est déterminé par la loi américaine qui était imposée par le Congrès américain et qui est implémentée soit par le département d'État, soit par le département de Homeland Security, par le département de l'Union qui est en train de voyager aux pays États-Unis, parti 6 décembre, tout le monde qui a voyagé pour aller dans les États-Unis, quelle que soit la nationalité, doit présenter un test COVID-19 PCR négatif, ou sinon un test antigène négatif qui t'est fait pivoter un jour avant d'un voyage-là. Ça, c'est un point important, un jour avant d'un voyage-là. En plus, seulement dans quelques cas exceptions, tout le monde qui a voyagé doit être vacciné complètement contre maladie COVID-19 là. Particulièrement, Timon Minet, c'est-à-dire le monde qui peut couvrir 18 ans, a besoin de vacciner complètement pour voyager aux États-Unis pour l'hiver. Plus d'informations sous exigence Silano disponible sur Internet, site Internet ambassade et sous site Internet Centre Contrôle à Prévention de Maladie CD. Voilà. Et merci avec tout le monde qui débranché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous débranché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.